La Minute Déco avec Maude. Bonjour à toutes et tous. Vous avez envie de changer votre déco, mais quelle couleur? Les couleurs, les motifs, style, matière, objet mobilier, la liste est longue. Allez, c'est parti. Le vert est apaisant, chaleureux, lumineux. Il possède une palette de nuances riches comme le vert olive, le vert bouteille, le kaki. Pensez à l'associer avec des matières naturelles dans votre salon ou dans la cuisine. Même dans la chambre, ça fonctionne. Vous apporterez de la douceur et du cocooning. C'est très très bon contre le stress. Ajoutez des plantes sur vos étagères, en pot ou encore en suspension. Le marron que l'on va retrouver sur des grosses pièces comme le canapé ou plus petites comme sur les lampes sur pied. Vous pouvez aussi sur un pan de mur, mais attention, point trop n'en faut. Le teck et le noyer expriment caractère et charisme et apportent une nouvelle touche de nature dans votre intérieur. Dans une pièce de vie ouverte sur la cuisine, on pourra associer des pièces en verre ou en métal, comme des pieds de table ou les portes d'un buffet. Une description de pièce de vie salon séjour cuisine. Le salon, un canapé marron en cuir ou en velours, un tapis plus clair et doux sous les pieds, une table basse en bois, une lampe sur pied métal et bois avec un abat-jour rond de grande taille, des plantes vertes en pot ou en suspension ou posées au sol, des coussins verts en camélieux trois teintes et quelques objets déco. Vous pouvez appliquer les mêmes choses dans la cuisine ou dans la salle à manger. La cuisine, les meubles en bois d'un vert foncé, juste ce qu'il faut. Une crédence noire, une table vert et métal, des chaises œufs en osier, en bois ou en métal, des plantes vertes encore une fois. Nous savons toutes et tous que la pièce de vie nous accueille tout au long des moments de la journée. Il faut que votre déco vous ressemble. Allez, retrouvons-nous sur madeco.maison et c'est à vous, décorer. Retrouvez la Minute Déco sur itswanradio.com.